Elle était attendue depuis la mi-journée et c'est à 21h passées, ce mardi 13 août 2024, que la délégation conduite par le chef de l'État gabonais est arrivée à Bikélé. Malgré tout, les habitants de la dite localité ont tenu à être là pour accueillir le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Au lycée technique de Bikélé, nous avons besoin du matériel et nous avons besoin de la barrière parce que nous vivons souvent des agressions au sein de l'établissement. En tant que doyen, moi j'ai dit que nous devons avoir une université agronomique. L'occasion faisant le larron, le délégué spécial du 3e arrondissement de la commune d'Ntoum est revenu en profondeur sur ces questions qui pourraient contribuer au développement de Bikélé, si bien sûr, elle trouve l'assentiment des autorités. Le chômage des jeunes, l'achèvement des travaux de construction du centre médical de Bikélé, la construction d'un marché municipal et d'une gare routière afin de rendre flux le trafic routier dans la zone du PK12. Des doléances prises en compte par le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui, comme à chaque occasion, ne manque pas de rassurer ses compatriotes. À Bikélé, nous avons réalisé aussi quelque chose de magnifique. Un peu plus loin, il y a la cité des officiers. Il y a 350 maisons qui sont en train de sortir de terre. Et ce modèle, nous allons le faire pour toutes les forces de défense et de sécurité, mais également pour les fonctionnaires. Parce que je veux que chaque Gabon ait une maison, et c'est mon rêve. Et on va y arriver. Et un modèle, on travaille dessus. Donc soyez patients. Bikélé est désormais inscrit sur la liste des priorités du CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, qui est déterminé à améliorer les conditions de vie des Gabonais.